Alléluia. Amen. Merci le Alléluia. Le Seigneur. Bien sûr, mi foi. Mi foi, nous là. On va très bien chez vous. Et am ben victoire. On foi nous là. Ok, alléluia. Oui, le Seigneur Jésus. Vous l'avez rendu à son nom. Mais d'accord, Jésus. Ce matin, quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a donné un message de donner à tout le monde entier qui m'écoute en ce moment-ci. Ce que le Seigneur... Et c'est que à cause de l'affaire du mariage, le monde entier s'en va en enfer. Et je pense que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour nous et il veut que nous nous tournons vers lui. Et toi qui veux m'écouter ce matin, je te prie de me prêter l'oreille. Mais je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que toi et moi, nous sommes encore vivants sur cette terre. Certains ont de l'argent, ils avaient des bateaux, des avions, mais si on les invoque encore ce matin, on les appelle encore ce matin, ils ne vont plus répondre. Et certains ont des diplômes, des licences, des maîtrises, des doctorats. Certains sont reconnus scientifiquement. Mais quand on les invoque, on les appelle encore ce matin, ils ne vont plus répondre. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu qui fait que toi et moi, nous sommes encore parmi les vivants ce matin. Alors nous devons remercier le Seigneur. Certains sont populaires dans ce monde, mais ce matin, ils ne sont plus dans ce monde. Nous les reconnaissons tous, la plupart d'entre eux, ils étaient populaires sur cette terre. Mais ce matin, si on les appelle encore, ils ne vont plus répondre. Et si toi et moi, nous sommes encore parmi les vivants, nous devons remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ta vie, je remercie le Seigneur pour ma vie, je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. David a dit dans Psaume 103 que mon âme loue l'Éternel et tout ce qui est en moi magnifie son saint nom, car c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a sauvé. Et ce matin, toi et moi, nous devons aussi remercier le Seigneur, le magnifier, le célébrer, car sans lui, nous ne pouvons pas être en vie aujourd'hui. Et aussi, Dieu sera très fier qu'il ne travaille pas en vain dans nos vies. Il sera très fier qu'il nous a fait de grandes choses. Quel amour infini. Quand toi et moi, nous nous mettons au lit dormant, lui, il veille sur nos âmes, que nos âmes ne meurent point. Alors, quel amour infini. Que devons-nous lui donner? Nous devons être reconnaissants envers lui, le remercier, le magnifier pour de grandes choses qu'il a fait pour nous. Et toi, c'est quoi?
Et Dieu sera très fier quand nous le magnifierons à cause des grandes choses qu'il a fait pour nous. Alléluia. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous mes fils, filles spirituels qui sont dans le monde entier. Je ne peux pas citer tous les pays, en Allemagne, en Afrique, en Australie, où que vous voulez, en Tunisie, au Maroc, en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal. Je remercie Dieu pour leur vie. Et qui ont reconnu, tous ces gens-là qui ont reconnu que Dieu a un appel sur ma vie, que je suis le père spirituel de toutes les nations. Je remercie le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Et je demande que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos vies respectives. Le 29 décembre, ce matin, le 29 décembre 2016, sans manger ni boire, ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis sur mon cœur à dire au monde entier, ce qui est la vérité. Bien-aimé, je veux que vous tous vous ouvrez vos oreilles et vous m'écoutez. Parce que en écoutant ce message, cela va vous rendre libre. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que ça, la vérité, nous ne pourrons pas aller au ciel. Nous pouvons rester dans l'œuvre du Seigneur 30 ans, 40 ans, mais sans la vérité, nous allons tous périr. Mais si nous connaissons la vérité, que Dieu nous aide, que si cette vérité va sortir, nous puissions l'accepter et que nous puissions avoir la vie éternelle. Si cette vérité qui va sortir est du mensonge, que ma part soit l'enfer, que le Seigneur m'envoie en enfer, moi et toute ma famille. Mais si cette vérité qui va sortir sera vraiment une vérité, que cela nous aide tous, afin que tous nous puissions avoir la vie éternelle. Et que Dieu donne aussi à moi et à ma famille la vie éternelle. Alléluia. Si cette vérité que je veux donner est du mensonge, que cela soit pour moi un péché contre le Saint-Esprit et toute ma famille. Mais si cette vérité doit être une vérité qui puisse délivrer, sauver, ramener vers la droiture, que Dieu nous fasse grâce, moi et ma famille, pour que si la trompette sonne, nous puissions tous aller au ciel avec lui. Mais je suis blanc de venir, il y a des poids. Mais on est en train de faire la fille, donc on peut me laisser parler déjà.
Et si c'est du mensonge que je donne et je dise que le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé le Père spirituel de toutes les nations, que je périsse entièrement. Mais si c'est une vérité incontournable que le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé le Père des nations, que Dieu me fasse grâce et fasse grâce à ma famille tout entière pour que nous puissions aller au ciel avec lui. Si c'est de la vérité que je dise que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que le monde entier n'a qu'à amener leur dîme à moi, pas pour que moi je puisse l'utiliser et le dépenser selon comment je veux, mais pour que je puisse le prendre à faire l'œuvre de Dieu. Si c'est du mensonge que je dise que ma vie soit détruite, que je périsse, mais que je périsse et que je ne puisse même pas voir l'année 2017. Mais si c'est la vérité que je suis en train de dire, que le Seigneur Jésus-Christ me donne la grâce pour que je puisse voir sa face. Si c'est que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu avec une autre puissance, à part la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que moi et toute ma famille, nous périssions tous et que nous allions en enfer. Et ce matin, pourquoi je veux dire cette parole? Certains voient, mais ils ne voient pas. Ils écoutent, mais ils n'écoutent rien. Car eux-mêmes, ils ont endurci leur cœur. Et comme il est écrit dans Matthieu 13, verset 13 à 17, cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit continue toujours à travailler. Je lis la parole de Dieu, nom puissant de Jésus. Matthieu 13, verset 13. Matthieu 13, 13. Alléluia. Mia de quoi on a vu Vigbeto, le Mathieu Pagbaleta, 8 ans, tu peux 8 ans, quoi de, 8 adra, tu peux m'amener au kata, mia le blablabla, mia petit assez au kata, le yi anti. Amen. Avant de aller en profondeur du message, je vais prier. Et avant que je ne prie, il faudrait que je chante une chanson. Et avant de chanter la chanson, je vais donner le thème du message. Le thème du message, c'est que est-ce la femme que tu as, est-ce que la femme que tu as maintenant, ou bien le mari que tu as maintenant, ou bien la femme que tu en auras, ou bien le mari que tu en auras, est-ce que
elle l'os de tes os et la chair de ta chair? Ou bien est-ce qu'il y a l'os de tes os et la chair de ta chair? La femme que tu as maintenant, est-ce que c'est elle qui est la chair de ta chair et l'os de tes os? Ou bien la femme que tu vas marier, à qui tu vas te marier bientôt, est-ce qu'elle est l'os de tes os, la chair de ta chair? Une question. C'est cette question que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis sur le cœur de donner à tous ceux qui veulent aller au ciel. Cette parole, ce n'est pas pour ceux qui veulent aller en enfer, mais cette parole est ceux ou bien celles qu'ils veulent aller au ciel. Et je remercie le Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes, parce que tu veux aller au ciel. Alors, faut que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et si ce message que je suis en train de dire est purement que la vérité et que toi tu le prends comme du mensonge, ce qui est écrit dans Marc chapitre 3 verset 29 va arriver dans ta vie et va arriver dans la vie de tes enfants, de toute ta génération. C'est-à-dire que tu vas pécher contre le Saint-Esprit et ce péché serait impardonnable. Et si moi aussi je suis en train de mentir contre le Saint-Esprit, alors je ne verrai pas l'année 2017. Et il faut que je meure et que j'aille en enfer. Alléluia. Et que avant de mourir, que je confesse publiquement que oh, je suis en train de mentir, oh, je suis en train de mentir dans le compte de Dieu. Parce que on ne ment pas dans le compte de Dieu. Et à toi aussi, si tu es en train de mentir, avant que toi aussi tu ne meurs, il aura des caméras sur toi, braquées sur toi, et que tu vas confesser que tu as menti avant de mourir, car on ne ment pas dans le compte de Dieu. Et si toi, tu te trouves à quelque part dans le monde entier actuellement et tu es en train de faire des grimaces, soit disant que tu es en train de détruire Gabriel, en train de pour que les gens n'acceptent pas son message, c'est pas Gabriel que tu es en train de détruire, mais tu es en train de détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir détruit l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, lui aussi va te détruire selon la parole de Dieu. Toi et ta génération, vous serez détruites d'éternité en éternité. Et soyons unis, restons dans l'unité, afin que nous puissions chanter la chanson que j'avais déjà prédit. Oui, nous sommes dans la grande salle, il y a meilleur feu. Oui.
Alléluia. La chanson veut dire, tu es l'Éternel, tu es le guerrier. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Descends dans ta puissance et sauve les mariés. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Descends avec ta puissance et sauve les jeunes qui vont se marier. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel. Ton nom est Jésus. Tu es le guerrier. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Avec ta puissance, descends et sauve les foyers, sauve les futurs mariés, sauve les couples dans le monde entier, au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Ça, c'est ce que la chanson que notre père vient de chanter. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie sa bénédiction. La chanson dit de descendre sa bénédiction sur les couples au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, descends ta puissance et sauve-nous de la fornication, de l'adultère, afin que le monde entier sache que tu es Dieu. Car personne n'est semblable à toi et personne ne peut s'égaler à toi. Alors descends avec ta puissance et fais-nous compassion afin que le monde entier sache que tu es Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, délie ma langue afin que ce message que je vais donner puisse sauver quelqu'un, ramener quelqu'un vers la droiture, ouvrir les yeux de quelqu'un, ouvrir les oreilles de quelqu'un, ouvrir les cerveaux de quelqu'un afin que nous puissions revenir à toi pour que si la trompette sonne, nous puissions être enlevés et aller rester chez toi au ciel. Je prie, c'est avec le sang de Jésus-Christ que l'ennemi, le dragon, l'ancien serpent a été vaincu. Je prie en ce moment-ci que le sang de Jésus-Christ détruit tous les programmes, tous les projets que l'ennemi a sur les foyers, a sur les couples, dans la vie des gens qui vont se marier, afin que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Quand ta parole me dit, la Bible me dit que si ta parole sort, elle s'en va faire son œuvre avant de revenir vers toi. Oh Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus-Christ que ce message qui va sortir puisse toucher le cœur, les ramener vers toi, afin que nous puissions nous corriger, être dignes au nom de Jésus-Christ. Je prie que le monde entier fasse uniquement la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Comme je viens de le dire tout de suite, que je vais chanter et je vais prier. Et maintenant, je vais encore redonner le thème du message. C'est que la femme que tu as actuellement, l'homme que tu as actuellement, est-ce c'est elle qui est l'os de tes os, la chair de ta chair, celle ou bien celui à qui tu veux te marier actuellement, ton futur marié, ta future mariée, est-ce lui qui est la chair de ta chair, l'os de tes os? Le Seigneur Jésus-Christ envoie cette question à tous ceux qui veulent aller au ciel, ne pas tous ceux qui veulent aller en enfer, tous ceux qui veulent aller au ciel. Que chacun d'entre nous répond à cette question. Tu en fais partie, moi aussi j'en fais partie. Il faut que chacun d'entre nous donne une réponse à cette question que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie tous. La question est que l'homme, la femme à qui tu t'es marié, est-ce que c'est elle qui est la chair de ta chair, l'os de tes os? Est-ce que c'est lui qui sera la chair de ta chair, l'os de tes os? Ce message, ça concerne ceux qui sont déjà mariés, ceux qui vont se marier et ceux qui veulent aller au ciel. Ce message n'appartient pas à ceux qui veulent aller en enfer. Cela concerne tous ceux ou bien celles qui veulent aller au ciel. Genèse chapitre 2, verset 23. Mon segment est avé. Pourquoi bravo est-on? Genèse chapitre 2, verset 23. Mon segment est avé. Pourquoi bravo est-on? Mère le mot pognard. Au nom puissant de Jésus. Le Yesu Christ au pomme commun. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit : voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On ne l'appellera pas parce qu'elle a été prise de l'homme. Mon c'est pas balai. Banto ta ve pou pou bla ve vont eton afim ngol le mena eye un tula gbol mena azonko ensegne pou tonye pou men plein la tonye la men ela bana wa wi abe nyonu ela bana un tumaye o de choe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et comme je viens de le dire, la Bible, je viens de le lire,
Et Adam a dit, enfin, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle est tirée de l'homme. Ce n'est pas que l'homme est tiré de la femme, mais la femme est tirée de l'homme. Que le Seigneur fortifie quelqu'un en ce moment-ci. Que quelqu'un entend la voix du Seigneur au travers moi en ce moment-ci. Avant d'appeler quelqu'une femme, il faut qu'elle provienne de quelqu'un. Il faut que cette femme-là soit pour quelqu'un. Cette femme qui est avec toi, que tu appelles maintenant actuellement ta femme, est-ce qu'elle est la chair de ta chair, l'os de tes os? Si elle n'est pas la chair de ta chair, l'os de tes os, et tu l'appelles femme, qu'est-ce que tu es en train de commettre? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Une question encore à toi, jeune femme, jeune homme qui voulait vous marier dans le futur. Es-tu en train d'appeler quelqu'une ta femme au futur? Est-ce qu'elle est la chair de ta chair, l'os de tes os? Sinon, si tu l'appelles ta femme, ton mari, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train de mentir ou bien tu es en train de dire la vérité? Alors, si tu es en train de dire ceci, et que actuellement tu es avec une femme qui n'est pas ta femme, sache-le que tu es un voleur. Et sache-le qu'aucun voleur ne peut aller au ciel. Et tous les voleurs ont pour le père le diable, le Satan lui-même. Alors, comme il est écrit qu'il est toujours menteur dès le commencement, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, qui est, il est le menteur depuis le commencement, ou bien le voleur depuis le commencement. Alors, sache-le que tu as pour père le diable. Et si tu t'es marié à une femme actuellement qui n'est pas l'os de tes os, la chair de ta chair, sache-le que tu es un voleur et que tu as pour le père le diable qui est le voleur depuis le commencement. Alors, mon frère, ma soeur, fais une rétrospection et prends une décision. Demande au Seigneur de t'aider à pouvoir faire une décision et ne pas aller en enfer. Car la place de l'ennemi, le diable, c'est l'enfer. Et s'il est ton père, et s'il est voleur comme toi-même, alors sache-le que toi aussi, tu iras aussi en enfer. Les gens disent que l'est écrit dans Genèse chapitre 2, que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul qui va lui faire une aide semblable. Une aide semblable, est-ce que tu dois te marier à quelqu'un qui n'est pas la chair de ta chair, ou bien l'os de tes os, ou bien aller voler la femme de quelqu'un, ou bien la côte de quelqu'un? Proverbe 18, verset 22, je lis la parole de Dieu.
Malheur! Toi qui es en train de m'écouter à ce moment-ci, et tu dis que qu'il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 2 que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Mon frère, si la femme que tu as trouvée n'est pas pour toi du bonheur, c'est-à-dire n'est pas la chair de ta chair, l'os de tes os, le contraire du bonheur, c'est quoi? C'est le malheur. Mais le problème, tu dis que tu vas être un bébé, si tu dis que il est écrit dans Proverbes 18, verset 22 que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, et que la femme que tu as n'est pas la chair de ta chair, n'est pas l'os de tes os. Si Dieu te demande que comme tu es en train de dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur, si cette femme n'est pas ta côte ou bien la chair de ta chair, l'os de tes os, que vas-tu dire? Quelle réponse vas-tu donner à Dieu? Oui ou non? Si tu es en train de dire qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 18, 22, parce que tu es en train d'attraper Dieu dans sa parole, que c'est le cas, une femme a trouvé du bonheur. Si cette femme n'est pas ta côte, la chair de ta chair, l'os de tes os, quelle réponse vas-tu donner à Dieu? Si il adviendrait que c'est la femme que tu as n'est pas l'os de tes os, la chair de ta chair, quelle réponse vas-tu donner à Dieu? Si tu arrivais au portail du ciel, et cette question se présentait devant toi, comme tu es en train de t'attraper Dieu dans ta parole, Dieu aussi t'aura aussi dans sa parole. Quelle réponse auras-tu donné à Dieu? Vas-tu aller appeler un pasteur, un prêtre, une sœur pour venir te donner cette réponse, bien pour venir te sauver de la main de cette question? Ou bien ton oncle paternel et maternel? Ou bien ceux qui t'ont habillé le jour de ton mariage, c'est eux que tu vas appeler pour qu'ils puissent te donner la réponse devant Dieu, ou bien ton oncle paternel, ou bien ton oncle maternel. Je fais appel à tout un chacun de nous qui écoute ce que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de dire. Et certains sont en train de poser cette question en ce mois-ci, au moment où ils écoutent ce message. Que toi-même, tu es en train de nous dire qu'on doit se marier à celle qui est l'os de nos os et la chair de nos chairs. Est-ce que toi-même, la femme à qui tu t'es marié, est-ce qu'elle est la chair de ta chair? Est-ce qu'elle est l'os de tes os? Alors, réponds-nous. Et vous continuez à dire, ah, vous vous êtes trouvé comment? Avez-vous eu des enfants avant vous marier? Comment est-ce que vous vous êtes marié? Quand est-ce qu'avez-vous payé la dot? Comment est-ce que c'est fait vos mariages? Donnez-nous la réponse. Ceux qui continuent encore à poser cette question, il y a beaucoup qui sont en train de poser cette question actuellement. Oui, je le dis. Si je mens, que l'Éternel me retire les souffles de vie. Parce que j'avais vécu dans le monde. Et maintenant, nous
Et moi, j'avais vécu dans le monde. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et j'étais dans la secte catholique, l'église catholique. On ne nous enseignait rien concernant la sainteté, le mariage, non. Tu peux avoir des copines, tu peux avoir des copains, tu peux aller faire la confession de tes péchés devant le prêtre, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi. C'est dans cette vie que moi j'ai vécu. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et c'est dans cette vie que j'ai rencontré et ma femme et je l'ai assaintée. Tu peux pécher du lundi jusqu'à vendredi, aller faire la confession au prêtre. Ça ne fait rien. C'est dans cette vie-là que moi j'ai rencontré une fille et je l'ai enceinte. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ là, pour la première fois, et il m'a dit que si tu te maries à une femme et que tu n'as pas demandé ta main, tu n'as pas payé sa dot, tu iras en enfer. Et je me promenais et cherchais des églises qui sont des églises de la sainteté. Et en ce moment-ci, la fille avec qui j'avais enceinte là, nous avons déjà eu deux enfants. Elle était avec moi à Lomé au Togo. Après avoir eu la révélation avec le Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, depuis ce temps, je ne me couchais plus avec elle. Et en ce moment-ci, j'ai commencé à donner le message à nos prêtres. Ils ne voulaient pas m'écouter. Les catholiques ne voulaient pas m'écouter. Ils disaient que c'est du mensonge. Que comment est-ce que tu peux nous dire que tu y as trouvé les prêtres sont en enfer, que le pape est en enfer? C'est pas possible. Que comment se fait-il qu'on ne peut pas prier sur Marie? Qu'est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas prier au travers Marie? Et c'est en ce moment-ci que j'ai rencontré une église qui s'appelait Vie Profonde, qu'on appelle communément Deeper Life. C'est en ce moment que, quand j'ai commencé à aller dans cette église, j'ai rencontré le pasteur. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Écoute très bien avant que je continue. Écoute, mais prête-moi beaucoup l'attention. Parce que je sais que tu es en train de faire cette demande, tu es en train de poser cette question. Alors ouvre-moi tes oreilles et écoute très bien. Et l'église dont je parle, que j'appelle la Vie Profonde ou bien Deeper Life, n'est pas loin de l'église catholique. Et j'allais à Atiégou, au Togo. Sainte Famille, l'église s'appelle Sainte Famille. Le catholique que j'ai fréquenté s'appelle, la parole s'appelait Sainte Famille à Atiégou. Mais la Vie Profonde, l'église de la Vie Profonde que j'ai commencé à fréquenter avec ma femme, n'est pas loin de Sainte Famille à Atiégou. Et le pasteur de cette église s'appelle Adika. À Atiégou. Et il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai commencé à fréquenter cette église avec ma femme qui est actuellement,
J'ai raconté le pasteur et je lui ai évoqué ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a visité? Et je lui en ai parlé que je dois plus se coucher avec ma femme. Et il me dit, non, oh enfant, tu dois continuer à se coucher avec elle parce que le Dieu lui me dit que c'est ta femme. Écoute-moi très bien, ma soeur, mon frère, avant qu'on ne continue, écoute-moi très bien. Et puis, il m'a dit, non, comme vous venez nouvellement de l'église catholique, vous ne connaissez rien, je vais vous aider. Et effectivement, je ne connaissais rien, mais écoutez-moi ce qui s'ensuit concernant notre vie conjugale. Et quand j'étais revenu au travers de son conseil, moi et ma femme, nous avons recommencé notre vie comme mari et femme. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a rencontré en rêve. Et le Seigneur Jésus-Christ me demandait, veux-tu obéir à Dieu ou bien à l'homme? Veux-tu avoir la gloire de Dieu ou bien avoir la gloire de l'homme plus que ma gloire? Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il m'a rencontré, me disait que je ne dois plus toucher cette fille-là, que tu ne dois plus toucher à cette fille-là. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas dit que je ne dois plus toucher à ma femme, mais il me disait que tu ne dois plus toucher à cette fille-là. Tu ne dois plus toucher à cette fille-là. Et je lui ai dit, et je lui ai dit, Seigneur, mais Adika, le pasteur de Dipalef m'a dit que c'est ma femme, que je peux continuer à me coucher avec elle. Et le Seigneur me dit, qui est Adika? Qui est Dipalef? Est-ce que c'est Adika qui va t'amener au ciel? Est-ce que c'est Dipalef qui va t'amener au ciel? Qui est Dipalef? Qui est Adika? Est-ce que Dipalef peut changer ma parole? C'est là que le Seigneur Jésus m'a donné ce verset, Jean 12, verset 43, de ne pas aimer la gloire de l'homme plus que la gloire de Dieu. Elle m'a dit, ne touche plus à cette fille-là jusqu'à ce que je te révèle ta femme. Et le Seigneur m'a dit que ne touche plus à cette fille jusqu'à ce que je te montre ta femme. C'est ce qu'il m'a dit, que cette fille-là n'est pas ma femme, qu'il va me montrer. Amen. Hébreux 13, verset 4. Là, le Seigneur Jésus-Christ me dit que il faut que nous ne souillons pas nos lits conjugales, nos lits de mariage. Je lis la parole de Dieu, la puissance de Jésus. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est homme de Dieu, car Dieu jugera les civils et les adultères. Amen. Je l'ai dit,
Le Seigneur Jésus m'a dit de ne plus toucher à cette fille-là, de ne pas souiller mon lit conjugal, jusqu'à ce qu'il avoue et il me dira la femme à qui je dois me marier. Et au moment où le Seigneur Jésus-Christ m'avait rencontré, moi je disais à moi que les 10 palefs, ils sont nombreux, ils font de l'église de la vie profonde, ils sont nombreux, non, ils sont nombreux dans le monde. Est-ce que si je mourais en ce moment-ci, selon leur conseil que tu me donnais en ce moment-ci, est-ce que j'irai au ciel ou bien j'irai en enfer? Et qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils viendront me sauver? Et la jeune fille me disait à ce moment-là, où le pasteur m'a dit, pasteur Adika m'a dit qu'on pouvait continuer à vivre comme des mariés. Après cela, la jeune fille m'a dit qu'elle est enceinte. Et j'ai dit, tu es enceinte? Oh, bon, nous sommes en problème. Nous avons des problèmes. Comment se fait-il que tu es enceinte? Et en ce moment-là, il est arrivé que, comme elle a dit qu'elle est tombée enceinte, je ne faisais plus rien en ce moment-ci. J'avais laissé mon travail que je faisais dans le monde. La vente des produits érotiques et tout ce que je faisais. Les escroqueries, tout ça là. J'avais tout laissé. Et comme j'ai dit à la fille qu'on a des problèmes, qu'on est en problème. Alors, elle est partie, sans me le dire, elle est partie faire l'avortement. Sans que je ne sois au courant. Et quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle a avorté. Elle m'a demandé de prier pour lui. Je lui ai dit que je ne peux pas prier pour toi. Je ne peux rien faire pour toi comme prière. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi et il m'a dit, toi, moi je t'ai dit de ne plus se coucher avec lui. Tu as écouté la voix des hommes. Tu t'es couché avec lui. Si moi je ne t'ai pas pardonné, est-ce que toi tu vas vivre? Prie pour lui et continue à parler à cette fille-là. Continue à l'enseigner dans la parole de Dieu. Et quand celle-ci est arrivée, j'ai prié, effectivement j'ai prié avec lui, mais le lendemain, je lui ai quitté parce que j'étais très énervé, j'étais parti dans la ferme et elle est restée à Lomé. Et que si elle a faim, elle saura. Amen. Et cette nuit, je me suis couché. Quand je me suis couché, j'avais un rêve. J'ai vu qu'il y avait une femme qui a avorté un bébé, l'a mis dans un sac noir et l'a déposé à quelque part. Puis, j'étais parti voir dans le sac, il y avait un jeune bébé et garçon qui est dans le sac. Et j'ai dit à moi, qui a fait ceci? Cette femme, elle est méchante. Hein? Pourquoi elle a fait ceci? Et il y a un vieux qui s'est amené vers moi et il m'a dit que ne t'en faites pas. Cette femme, ce
ce qu'elle a fait, je ferai en telle sorte que cette bébé qu'elle a avorté, je ferai tout possible qu'elle enfante encore de nouveau ce bébé. Et la fille m'a appelé. À ce temps, j'étais dans la ferme. Elle était à l'homme. Elle m'appelait, me dit encore qu'elle était encore tombée enceinte. Et je lui ai dit, oui, que tu n'es pas ma femme. Et je lui ai dit que tu n'es pas ma femme, que tu es la femme peut-être de quelqu'un. Alors tu n'es pas ma femme. Tu n'es pas ma femme, que tu es peut-être la femme de quelqu'un, que peut-être tu es partie chez cette personne pour devenir enceinte. Tu n'es pas ma femme. Va avec la grossesse, va vers cette personne. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, tu as écouté ce que la Bible a dit dans Hébreux 13, verset 4, que de ne pas souiller nos lits conjugales. Elle m'a dit qu'elle n'est partie à nulle part. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi et il m'a dit que cette grossesse que la fille a encore eue, c'est l'avorton qu'elle avait fait. Elle avait avorté le bébé, ce que tu avais vu dans le sac là. Tu te souviens du rêve que tu avais eu? J'ai dit oui, ça c'est l'enfant avorté là que lui Jésus-Christ a encore ramené dans son entraille afin qu'elle la donne encore de nouveau en vie. Que cet enfant, s'il naîtrait, tu vas lui donner le nom de Christ miracle, que cet enfant serait vraiment un miracle. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de quitter le village pour encore retourner encore à Lomé. Et je n'avais pas d'argent pour retourner à Lomé. Je n'avais pas les frais de voyage. Alors, j'étais obligé de monter sur les remorques pour pouvoir rentrer à Lomé. Mais comme j'étais revenu à Lomé, c'est en ce moment-là que la souffrance a commencé, bien-aimé. On souffrait, on n'avait rien à manger. La fille là était enceinte, mais elle ne pouvait même pas aller à l'hôpital pour les soins. Elle était à la maison, on n'avait plus rien à manger. J'ai gagné les âmes, je leur prêchais l'évangile. Je leur amenais à Deep Life, parce que c'est là-bas où ma femme et moi allaient. Alors, j'amenais les âmes là-bas, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas dit de fonder une église, parce qu'il m'a dit de ne pas chercher la gloire des hommes, mais de chercher sa seule gloire. Et au travers de cela,
Et la fille avec moi, nous avons jugé de faire 4 jours de jeûne. Et pendant le 4e jour, il est arrivé que elle a eu un rêve. C'est dans le rêve et elle se disait que elle se voyait très belle. Elle n'arrivait plus à se reconnaître et que les gens disaient que que je me suis marié à une autre femme. Je me suis marié à une autre femme. Et c'est alors que certains disaient non, elle est l'ancienne femme. L'ancienne femme de l'apôtre, c'est l'ancienne femme de l'apôtre. Et en ce moment-ci, elle voyait les gens qui venaient vers moi. J'étais en habit blanc. Les gens qui venaient vers moi pour me toucher, qui m'entouraient. Et elle a donné le rêve. Oui. Et au moment où elle me donnait ce rêve, au moment où on avait organisé ces 4 jours de jeûne, où elle voyait les gens qui m'entouraient, qui voulaient me toucher, j'étais un ami blanc, les gens qui étaient nombreux, et elle voyait toutes ces choses-là. En ce moment-là, la fille, là, on l'a mis en l'air et les soldats entouraient l'apôtre. Les gens sont nombreux plus que le sable de la mer. Et les gens voulaient toucher l'apôtre Gabriel. Et la sœur, lui, elle, on la tenait en l'air. Et les gens disaient qu'il s'est marié à une autre femme. Il s'est marié à une autre femme. Et quelqu'un dit non, c'est son ancienne femme. Elle est l'ancienne femme. C'est toujours elle. Et la personne disait que l'ancienne femme qu'elle en avait, Dieu lui a fait grâce qu'elle est devenue sa femme réelle. Et quand elle m'a donné le rêve, j'étais vraiment troublé. Et j'ai commencé à me poser la question. Oh Seigneur, est-ce que cette fille est ma femme? Est-ce que cette fille est ma femme? Je ne me couchais plus avec elle. Jusqu'en 2013, où le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi et m'a dit que oui, j'ai agréé votre relation. Mais pour le moment, elle n'est pas ta femme. Je vais t'ouvrir les portes de la bénédiction. Que tu ailles demander sa main, payer la dot avant qu'elle ne soit ta femme. Et au travers de ceci, Dieu a passé par quelqu'un et il m'a béni. Et puis on est parti payer la dot avec certaines personnes qui m'entouraient à Lomé. On était parti payer la dot. Et puis, les parents de la fille, ils ont prescrit les articles de la dot. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que ne payez rien qui est contre la parole de Dieu. C'est-à-dire,
les alcools, les perles, les bijoux, tout cela, n'achetaient rien. Et quand on était parti, on n'avait pas amené ces choses-là. Et quand ils sont venus, ils ont dit, qui êtes-vous? Toi, un petit pasteur comme ça, il y a les grands pasteurs qui viennent chez nous, qui viennent demander la main à nos filles, ils donnent tout. Toi, qui es-tu pour refuser de donner tout ce comme alcool et puis les autres articles, bon, comme qui sont contre la parole de Dieu, c'est-à-dire les perles, les bijoux, certaines choses. Qui es-tu? Et puis, ils sont sortis de la chambre. Ils sont sortis, ils sont partis. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui nous as envoyés, alors touche, et c'est ta volonté, touche leur cœur, afin qu'ils puissent revenir. Et puis, il a touché leur cœur, ils sont retournés. Et puis, ils ont accepté la dot. Et puis, le Seigneur m'a dit que de votre retour à Lomé, vous serez béni. Et il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Kofi Agbenyeji à Lomé. C'est lui qui nous a bénis. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que je vais t'ouvrir encore les portes pour que tu puisses avoir une moto. Et cela s'est accompli. Et je peux te confirmer de A à Z que celle-là, elle la chair de ma chair, l'os de mes os. Parce que c'est Dieu qui l'a dit et il a confirmé, il me l'a confirmé. Je peux te le dire aujourd'hui que celle-là qui est devenue ma femme aujourd'hui, qu'elle est la chair de ma chair, l'os de mes os. Alors, faisons très attention pour ce message qui est en train de sortir, parce que l'affaire du mariage, c'est pour le bien ou bien pour le pire. Alors, des milliards de gens qui sont morts dans ce monde, ça leur a concerné. Alors, faisons très attention. Et affaire de mariage, l'église peut te tuer. Un pasteur peut te tuer. Les conseillers peuvent te tuer. Vous voyez, comme je viens de vous le dire concernant l'église, dit par le conseil que le pasteur m'a donné. Si ce n'était pas que le Seigneur Jésus-Christ m'a secouru, m'était venu au secours, je devais aller en enfer à cause de cette affaire. Et pour cela, vous allez voir que, à cause de ces affaires, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Mais si les gens t'aiment, tu cherches la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, et tu vas périr. Vaut mieux que Dieu agrée tes comportements que les hommes.